Coucou tout le monde, alors aujourd'hui on va créer ensemble cette petite poupée. Voilà, elle est très très simple et très belle. Je lui ai pas fait de bouche, mais comme je le dis dans le tuto, vous pouvez bien sûr le faire. Là, je lui ai fait un petit nœud, donc il s'est enlevé, mais bon, ce n'est pas grave. Hop. Je l'ai fait. Voilà. Je l'ai fait avec de la laine 2-3. J'explique dans le tuto. Voilà, je lui ai fait une petite robe où je suis venue l'attacher. Elle est super simple. J'explique. J'explique dans le tuto comment la faire. Voilà. En espérant que cette petite poupée vous plaira à la réaliser. Voilà, moi c'est mon coup de cœur. C'est vraiment, j'ai vraiment pris plaisir à la faire. Elle est vraiment très mignonne. Allez, je vous fais de gros bisous. Et en espérant que ce tuto crochet vous plaira. Bisous tout le monde! Coucou tout le monde! Alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une poupée en crochet. Alors, il vous faudra pour cela un crochet numéro 2. Je sais pas si vous allez le voir. Un anneau marqueur, des yeux de sécurité, excusez-moi, un ciseau. Il vous faudra aussi un contrant, sinon vous faites des petits bâtons sur une feuille et vous le cochez au fur et à mesure. Voilà, tout simple. Il vous faudra aussi de l'écru. Il vous faudra de la laine orange, aussi de la laine bleu clair, de la laine rose, de la laine blanche et de la laine bleu foncé. Voilà. Vous prenez de la laine qui se tricote en 2-3, hein, parce que c'est de la fine. Hein. C'est de la fine. Et puis quoi d'autre? Un peu de patience. Et suivez-moi. On va commencer. Coucou tout le monde. Alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une poupée en crochet. Alors, il vous faudra pour cela un crochet numéro 2. Je sais pas si vous allez le voir. Un anneau marqueur. Des yeux de sécurité, excusez-moi. Un ciseau. Il vous faudra aussi un contrant. Sinon, vous faites des petits bâtons sur une feuille et vous le cochez au fur et à mesure. Voilà, tout simple. Il vous faudra aussi de l'écru. Il vous faudra de la laine orange. Aussi de la laine bleu clair. De la laine rose. De la laine blanche et de la laine bleu foncé. Voilà. Vous prenez de la laine qui se tricote en 2-3, hein, parce que c'est de la fine. Hein. C'est de la fine. Et puis quoi d'autre? Un peu de patience. Et suivez-moi. On va commencer.
Alors, pour la jambe, moi, je vais prendre du bleu foncé. Alors, on va commencer dans un anneau magique. On va venir faire 5 mailles serrées. Ça, c'est la maille de blocage. Une, deux, trois, quatre, cinq. On vient resserrer. Et on vient fermer par une maille coulée. Au deuxième rang, on va faire que des augmentations. On va faire 10 mailles. Là, je prends mon anneau marqueur et je viens marquer ma toute première maille. J'en fais une autre. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept, huit, neuf et 10. Au troisième rang, on va faire une maille seule. Alors moi, je viens couper mon fil qui pendouille là, du départ. Alors, au troisième rang, on va faire une maille seule. Une augmentation. Une maille seule, une augmentation, une maille seule, une augmentation, une maille seule, une augmentation, une maille seule et une augmentation. On a 15 mailles. Au rang 4, on va faire 2 mailles seules, une augmentation. Une. Une maille seule. Une augmentation. Une maille seule. Une maille seule. Une augmentation. Une maille seule. Une maille seule. Une augmentation. Une maille seule. Une maille seule, une augmentation, une maille seule,
Une augmentation. On a 19 mailles. Au rang 5. On va faire les diminutions. On va faire 10 mailles seules. Une maille. Deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf et dix. Une diminution. Encore une diminution et on fait une, deux, trois, il nous faut 17 mailles. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Seize et une diminution. Pardon. J'ai foutu les boules. C'est ma bouteille qui vient de s'énerver. Là, j'ai 17 mailles. Au rang 6. Ça m'a stressé là. Pardon. Alors, une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf et dix. Elle ressort violet. La laine, alors qu'elle est bleue. Bon, bref, c'est pas grave. Une diminution. Une deuxième diminution. Et là, on finit avec une, deux, trois. On a 15 mailles. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Voilà, on a 15 mailles. Au rang 7, on va faire. Alors. Ah, décidément, j'ai des problèmes avec mes mains, moi. Alors, au rang 7, on va faire 3 mailles seules. 1, 2, 3, une diminution. Ah bah décidément, toi, hop, voilà, une diminution, 3 mailles, 1, 2, 3, 1, 2, 3,
une diminution. On a 12 mailles. Après, on va faire au rang 8 nos 12 mailles. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Alors maintenant, on va venir couper notre couleur bleue. Et on passe à la couleur blanche. Alors moi, j'ai plus que ça. Je vais faire avec. Voilà. On est rendu au rang 9. En prenant, là on va venir prendre que le brin arrière. Hop. Alors, on va faire 12 mailles. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Là, on vient faire une maille coulée. Voilà. Après, je rentrerai les fils. Voilà ce qu'on a. Après, du rang 10 au rang 11, toujours avec la couleur blanche, on va venir faire 12 mailles. On se retrouve après. Voilà, j'ai fini avec le blanc. Maintenant, on va faire avec les crus. Voilà. Bon, j'ai pris de l'écru qui me restait. On va faire les 12 mailles. On va faire 3 rangs. Hop. Deux. Moi, je mets mon anneau marqueur. Trois,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Et on fait ça encore deux rangs. Voilà, on ne voit pas beaucoup, mais je viens de finir mes trois rangs avec les crus. On vient couper notre couleur. On vient passer. Bien sûr, vous allez en faire deux. Hein. Voilà. Vous allez passer à la couleur bleu. Bleu clair, hein, par contre. Moi, c'est une bleu clair. Vous allez faire du rang 20 au rang 29, vous allez faire les 10 mailles. Voilà. Vous accrochez. Et vous faites du rang. Hop. Alors, du rang 20 au rang 29. On se retrouve au rang 30. Voilà, j'ai fini mes deux jambes. Alors maintenant, ce que vous allez faire, c'est assembler. Vous assemblez les bras et vous assemblez les jambes. Et on va se retrouver juste après. Voilà ce que ça donne quand on a mis les pieds et les bras. Alors, maintenant, on va faire une petite jupe. Voilà, on ne va pas la laisser comme ça, on va l'habiller. Moi, j'ai pris du rose. On va faire alors Jerry, non, arrête, c'est mon chien, il fait des bêtises. Une, deux, ah, attendez, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, 10. Alors, encore un petit peu. 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ouais, on va dire que 16, ça suffit. Hop. Vous montez 16 mailles en l'air, vous faites un jeté. Vous allez faire une bride. Ah, attendez. Ce fil est... Voilà. Vous allez faire une bride sur chaque maille. Jerry. Hop. Alors. Vous allez faire une bride sur chaque maille et on se retrouve après.
Voilà, quand vous avez terminé, vous allez tourner votre travail, faire un jeté et venir prendre que le brin avant. Voilà, un jeté, on vient prendre que le brin avant de toutes les mailles. Un jeté, brin Hop. Voilà, vous tournez. J'ai oublié de monter 2 mailles en l'air. Vous allez dans la même maille et vous prenez toujours. Là, c'est le brin arrière. Quand vous êtes sur l'endroit, c'est le brin arrière qu'il faut prendre et quand vous êtes sur le. Alors, attendez, que je ne vous dise pas de bêtises. Là, quand on est sur l'endroit, vous prenez le rang, la maille derrière. Quand vous êtes sur l'envers, vous prenez la maille de devant. Voilà, pardon pour la caméra qui bouge. Vous allez faire ça jusqu'à la longueur que vous voulez. 2 mailles en l'air, vous tournez, un jeté et le brin arrière. Voilà, vous allez faire ceci jusqu'à la longueur que vous voulez. On se retrouve après. Voilà, j'ai fini la petite robe. Regardez ce que ça donne. Je l'ai accrochée aussi pour pas qu'elle s'en aille. Regardez ce que ça donne. Je la trouve super belle. Voilà. Alors, maintenant, il manque plus que la tête. On va faire la tête maintenant. Voilà. Alors, pour la tête, pour pas la tête, mais la base des cheveux,
On va faire exactement comme la base de la tête. Alors, on reprend. On va faire 6 mailles. Dans un anneau magique. Moi, j'ai fait la couleur orange. Hein. Orange ou... Oh, excusez-moi. Orange ou la couleur que vous voulez. Il n'y a aucun problème. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Après, dans le deuxième rang, on va faire que des augmentations. On aura 12 mailles. Six, sept, huit, neuf, dix, onze et 12. Après, au troisième tour, on va faire une maille, une augmentation. On aura 18 mailles. Au quatrième tour, deux mailles, une augmentation. On aura 24 tours. Au rang 5, on va faire 3 mailles, une augmentation, on aura 30 mailles. Au rang 6, on fait 4 mailles, une augmentation, on aura 36 mailles. On se retrouve après. Voilà, j'ai 36 mailles. Au rang 7, on va faire 5 mailles, 1 2, 3, 4, 5. Et dans la sixième, une augmentation. 1, 2, 3, 4, 5. Et dans la sixième, une augmentation. 1, 2, 3, 4, 5 et dans la sixième, une augmentation, 1, 2, 3, 4, 5 et dans la sixième, une augmentation, 1, 2, 3, 4, 5, une augmentation dans la sixième, 1, 2, 3, 4, ah mince, 5 et une augmentation dans la sixième. Voilà. On a
42 mailles. Au rang 8, on va faire 6 mailles dans la 7e. Une augmentation. Je le fais avec vous. Alors, une maille. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, et dans la 7e, une augmentation, une, deux, trois, quatre, cinq, six, et dans la 7e, une augmentation, une, deux, trois, quatre, cinq, six. Et dans la 7e, une augmentation. Une, deux, trois, quatre, cinq, six. Une augmentation dans la 7e. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, une augmentation dans la 7e, une, deux, trois, quatre, cinq, six. Voilà ce qu'on a. On a 48 mailles serrées. Maintenant, on va faire du rang 9 au rang 15. On va faire nos 48 mailles serrées. On se retrouve après. Voilà, j'ai fini la base des cheveux. Alors moi, je ne vais pas faire des couettes, je ne vais pas faire de tout ça. Ce que je vais faire, c'est tout simple. Attendez, je cherche mon nano marqueur. On va faire une maille coulée. On vient mettre l'nano marqueur. Dans une maille, on va faire 5 brides. Une, deux, trois, quatre, cinq. Dans la maille suivante, on fait une maille coulée. Dans la maille suivante, 5 brides. Attendez, je recommence parce que je l'ai mal pris. Trois, quatre, cinq. Une maille coulée. Et vous allez faire ça tout au long du rang. On va se retrouver après. Voilà, j'ai fini le, on peut dire, le petit chapeau. Voilà. Il est super simple et magnifique. Regardez.
Je l'ai fini et voilà ce que ça donne. Et je vais lui mettre sur la tête. Hop, voilà, regardez comme elle est très très belle. Bon, c'est un peu grand, mais c'est pas grave. Après, si vous voulez faire avec une aiguille, je vais vous montrer. Alors, je vais faire comme ça. Je vais prendre. C'est juste pour vous montrer ce qu'on peut aussi faire. Voilà. Alors, on prend notre aiguille. Parce qu'en fait, si vous ne voulez pas lui changer le bonnet, vous pouvez le fixer à la poupée. Moi, c'est ce que je vais faire. Je vais lui faire ça. Puis après, si vous voulez, vous pouvez lui faire un pull. Des chaussures, comme vous voulez. Alors, on va piquer dans un brin et on va venir ressortir. Non, non, attendez, parce que je vous dis de faire ça, mais ah, bon, parce que j'ai piqué dans l'œil, ça ne va pas. On ressort. Vous faites attention à pas abîmer. On va lui mettre comme ça. Vous venez piquer comme ceci. Ça lui fait un petit. Vous faites attention à ne pas piquer dans les yeux. À pas piquer dans les yeux, je me comprends en disant à pas piquer dans les yeux. Hop. Faites attention à ne pas l'abîmer la poupée. Voilà, et ça nous fait un petit bord sympathique, je trouve. Alors, bon, vous avez compris, hein. Je crois que vous avez compris. J'ai pas besoin de. Hop, bon, je continue. Il n'y a que moi que ça amuse. Je le fais en gros, hein. Mais c'est pour que vous puissiez comprendre comment accrocher le bonnet à la poupée. Après, si vous voulez lui faire plus de choses, d'accessoires, de petits sacs. Des écharpes, des cheveux aussi, parce que là on voit pas, mais voilà. Vous serrez un tout petit peu, vous coupez le fil. Là, vous faites un petit nœud. Voilà. Et vous faites. Moi, le petit nœud, je le fais comme ça. Moi, je suis pas. Voilà. Hop. Bon, on va dire que. Voilà. Et le bonnet tient. Le petit chapeau, tiens.
Voilà, alors ce tuto, après vous pouvez lui mettre une bouche, mais moi comme je suis pas forte en broderie, voilà. Ce tuto est fini, j'espère qu'il vous a plu autant que moi, j'ai pris un réel plaisir à la créer. Cette poupée est mon imagination, hein. Je l'ai créée un peu... Un coup d'envie. Voilà. J'espère qu'elle vous plaira. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine.